au soir. Je vous propose d'aller avancer l'appartement du random. Ça m'a pris comme ça. Voilà. Parce qu'il y a des trucs qu'on m'a suggéré, j'ai eu des retours par rapport à l'épisode d'aujourd'hui que j'ai complètement oublié d'annoncer d'ailleurs. Et puis, en fait, après l'épisode précédent, pendant que je le montais, je me suis dit « Oh, j'aurais dû essayer de faire plutôt ça comme ça ». Je me suis senti con. Je me suis dit « À tous les coups, on va me faire la remarque, on va me le suggérer alors que j'y ai déjà pensé ». Ça n'a pas loupé d'ailleurs. Mais du coup, voilà, j'ai envie d'aller avancer un petit peu parce que je me dis que c'est long en fait. Vous avez vu l'épisode d'aujourd'hui, il fait 35 minutes. Même si certains apprécient, c'est quand même assez long pour un épisode. Et si je veux vraiment pouvoir avancer chaque épisode, ça va prendre du temps en fait. Donc voilà. Donc l'entrée dessert sur ce côté, qui est du coup une grande cuisine salle à manger avec salon ici. Voilà. De l'autre côté, nous avons un grand couloir qui dessert à peu près bah, tout le reste des pièces, en fait. La salle à manger donnant aussi ici. Et là, on a une toute petite terrasse pour être d'accord avec les autres apparts. Donc, on aura ici salle de bain. Une, deux, trois, quatre chambres, je crois. Salle de bain, salle d'eau ici, WC et autre salle de bain complète de ce côté. Et du coup, il y a deux épisodes, j'avais demandé aux gens s'ils avaient des idées pour ce qu'on allait faire de ce grand couloir, si je rajoutais une pièce ou s'ils avaient des idées d'ameublement. Et en fait, quelqu'un m'a posté un commentaire, je sais plus ce que la personne disait, et ça m'a donné cette idée-là, de faire un puits de lumière, voilà. Et ce qui est assez drôle, c'est que, bah, après ça, il y a deux ou trois autres personnes qui m'ont donné cette idée précisément. J'ai dit ok, on est raccord sur le cogitage, là c'est très intéressant. Et du coup j'ai fait ça dans l'épisode précédent, mais j'ai encore d'autres idées, il va falloir bidouiller, je suis pas sûre du résultat. Et ensuite on a commencé à faire la cuisine. Là idem, j'étais pas sûre du résultat, on s'était laissé là-dessus. Et il y a quelques commentaires qui m'ont dit qu'ils préféraient la version foncée. Parce qu'en fait, dans l'épisode, pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui ne suivent pas, il n'y a pas de souci. J'ai d'abord fait une version plus foncée pour coller avec l'arche et le mur. Et après, j'ai fait cette version. Et il y en a quelques-uns qui m'ont dit « Je préférais la première ». Donc on tâtonne, on va voir un petit peu. Là, il y aura certainement du coup un bar. Et je vais mettre une grande table de ce côté, voilà. Après, c'est vrai que cet espace-là, je sais pas trop quoi en faire, c'est un peu... C'est vrai que c'est très spacieux. Donc je vais voir si jamais vous avez des suggestions ou quoi, mais ça me perturbe un peu de laisser un grand espace comme ça sans rien. Je vous montre ce que ça donnait en foncé. Et en fait, avec ça, du coup, j'avais des sièges comme ceci. Bah, en vrai, dépareiller, c'est sympa, parce que du coup, en bas, c'est le devant qui est en marron. Et en haut, c'est le contour. C'est sympa comme ça, en vrai. Ah oui, j'étais pas tout à fait sûre de l'îlot non plus. Je pense que je préfère enfoncer, finalement. Alors, plutôt, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre tout simplement deux comme ça. Voilà. Ce serait moins chelou dans l'autre, hein, je pense. Ouais, là, on est bien. Bah là, je préfère, déjà. Je me demande si je vais pas mettre la barrière en foncé. C'est mieux. C'est comme cette histoire de bar là, c'est compliqué d'en trouver un qui va bien. Je sais même pas si je suis sûre de l'emplacement non plus, mais je vois pas trop où le mettre, enfin comment le mettre autrement. Je sais pas quoi mettre. Ça va bien avec le mur. On dirait presque que c'est le même marron que la cuisine, c'est pas incroyable? C'est vachement grand. Ouh! Le poteau en plein milieu, c'est pas mal, non? On peut pas mettre... Ah si, on peut mettre le tympan ici. Oh, ça comblerait bien. C'est mieux comme ça, non? Bon, je suis pas convaincue par cette partie-là. Hein. Vraiment... Voilà. Je sais pas. C'est rien qui est centré. C'est bizarre. Voilà. Petit rappel vert. Bien ça. Mais du coup, vu que ça et ça, c'est séparé, je pense... Je vais reprendre ça. En fait, c'est ce que je disais dans la vidéo. Mon problème, c'est qu'à la base, je voulais faire un bar intégré à ce bar. Vous voyez? Sauf qu'on n'a pas de bar qui... de déco. On n'a pas un bar de déco d'intérieur. Donc, on n'a pas de bar qui se fond dans ces meubles-là. On en a qui se fondent dans d'autres meubles, mais on a fait la cuisine avec ces meubles. Alors, du coup, c'est un peu chiant. Ce qui est dommage. Donc, bah, pour en intégrer un, sous le merde, quoi. On dirait qu'il y en ait un là, vous voyez.
On n'en a même pas un qui fait un... qui a un truc... plan, vraiment blanc, comme ça. Il y a toujours une marbrure ou quelque chose, c'est incroyable. Ah! Après, les... ouais, le contour des meubles, c'est pas... C'est pas pareil, mais ça peut être une option. Je vais voir comment ça rend. Ah, c'est pas le même blanc. J'ai cru. Ah! Ah, si, une fois posé, si! Oh! Bon, devant, c'est pas pareil, par contre. Si tu mets la poubelle à côté pour cacher le côté qui est un peu différent. Ici, plutôt, ouais. C'est une option. Ça passe au-dessus, mais devant et sur le côté, c'est bizarre. Là, ça passe. Là, c'est bizarre. Le côté laisse dubitatif. Non, non, mais je suis d'accord. C'est surtout là. Là, à la limite, bon. Mais là, vu que ça casse avec ça. Un dernier coin de meuble qui viendrait fermer avec le poteau. Comme ça. Ah! Putain, en vrai, ça choque moins! Je vais essayer de bosser sur le patio parce que j'avais une autre idée, en fait. C'était vraiment d'ouvrir. Et j'y ai pensé qu'après. J'ai fait mon épisode. J'étais relativement contente, mais bon. Je savais pas trop. Et puis, pendant que je faisais le montage, je me suis dit, oh putain, pourquoi j'ai pas essayé ça? Voilà. Et voilà. Alors, je vais essayer. Pas dit que ça aboutisse, hein. On sait pas. Bon, déjà, on va tester. Donc, je vais mettre un truc au pif. Voilà. Si je fais... comme ça. Si je fais... comme ça. Bon, là, ça marche pas parce qu'on a la lumière bizarre. Donc, c'est pas des clôtures qu'il faut que je mette. C'est des fenêtres. Mais j'aimerais bien que ce soit ouvert. Ah! Bah voilà. Et du coup, tout ça, il faudrait l'enlever. Est-ce que c'est mieux que le gros truc qu'on avait avant? Il faudrait que je mette un arbre un peu plus adapté, peut-être. Pas très pratique quand il pleut. Ouais, mais on s'en fout, c'est ouvert que là. C'est beaucoup mieux, j'aime l'idée. Ah, c'est mieux comme ça. Ah, fontaine, j'ai pas pensé à ça. Oh, j'avais pas pensé à la fontaine. Putain, en vrai, ça rend pas mal. Mm-hmm. Maintenant, il faut que je rebidouille ça, par contre. Alors, attendez. On va faire un carré... autour du carré. Voilà. Ah, quoique ça, je peux peut-être les garder pour faire des petits puits de lumière, genre dans la cuisine ou la chambre ou je sais pas quoi. Je vais les mettre de côté, on sait jamais. C'est marrant en vrai. Puis ça comble bien l'espace en effet. Ça change. Allez, soyons ouf un peu. Bon, la cuisine c'est fait. Va falloir mettre des petites décos maintenant. Mais bon, c'est 57, on va peut-être pas s'y mettre maintenant. Au moins, on a fait le gros du souci actuel, dirons-nous. Ouais, dans l'épisode prochain, je sais pas si je fais... J'ai encore 155 000. Si je fais encore des meubles ou si j'entame la déco. Ouais, si je vais peut-être finir cette pièce quand même déjà, ce sera pas mal. Oh putain, pour une fois que je peux le caler celui-là. Incroyable. Ça passe trop bien ce meuble. Putain, pour une fois. Je suis contente. En tout cas, bah, merci d'avoir été avec moi ce soir. Contente que bah, ça nous ait changé un petit peu et que ça vous ait plu aussi. Prenez soin de vous et bonne fin de soirée. Voilà, voilà. Deux bisous tout le monde. Bye bye.